Je tenais à dire un petit mot. Bon, il va falloir que j'y arrive, quand même. Avec mon père, on a beau y avoir tous les conflits du monde, et ben, c'est mon modèle. Et c'est tellement d'émotions de le voir dans ces états-là. Benjamin, mon fils, qui aurait dû, il y a encore quelques mois, qu'on se retrouverait ici pour célébrer ton mariage. Alors, Benjamin, est-ce que je t'ai souvent dit je t'aime? Non, je crois pas. Est-ce que je t'ai simplement dit, Benjamin, que j'étais fier de l'homme que tu es devenu? Je crois pas non plus. Sache que ce n'était pas par peur, mais tout simplement par retenue ou par pudeur. Je pose ma main sur sa cuisse parce que je veux lui dire est-ce que tu ressens mon énergie, celle que je t'avais passée, en te disant je te comprends et là, par ce geste, je te montre que je suis avec toi. Et même si tu pleures pas, tu dois être ému de fou. Je veux qu'ils comprennent que je comprends. Alors oui, je vais te le dire peut-être pour la première fois. Je t'aime. Hein. Ça fait un bien fou de l'entendre. Ouais, ce moment, il est incroyable. Et j'ai senti que Maureen aussi, elle est toute émue. Juste ce petit geste-là, ça montre plein de choses. C'est hyper touchant et ça montre qu'on a les mêmes valeurs. Quant à toi, Maureen, notre belle fille, j'espère que l'on pourra en construire un très bel avenir ensemble. Entouré également de tes proches, car ce mariage, c'est aussi l'alliance de deux familles. Essaye tant que possible de rendre mon fils heureux. Autant que je souhaite que Benjamin te rende heureuse et épanouie. Je vous aime et je vous souhaite le meilleur. Et merci de votre écoute. Ça me touche beaucoup en fait qu'il fasse une partie sur moi. Il me connaît pas en fait. Il dit plein de choses trop mignonnes, il est super bienveillant. En fait, mon père, il aurait pu faire ce discours en fait, le même. Ça me rassure trop parce que je me dis, ok, ils sont comme nous. Au final, on se ressemble beaucoup, je pense.